Luca Di Bernardo. I work for the music export in Luxembourg, and I'm responsible for classical contemporary music projects. Today we are at the IAMA conference in Düsseldorf. IAMA is the International Artist Manager Association, so it's a worldwide association for artist managers for classical music mainly. We had the great opportunity to showcase today Chanel Perdichizzi, who is a young harpist. She's 18, and she won already several important competitions, and she was selected for this summer for an international very important competition for harp, which is Bloomington in the United States. So I believe it's an important opportunity for her to be here and to be on stage in this very professional context. Je suis Chanel Perdichizzi, je joue de la harpe que j'ai commencé à étudier à l'âge de 6 ans avec Catherine Beynon, qui est la harpiste solo de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. J'ai fini d'ailleurs à Luxembourg le diplôme supérieur. Je suis actuellement à l'IMEP, à l'Institut Musical Supérieur de Pédagogie et de Musique à Namur. Oui, en faisant beaucoup de concours, et ça me permettait d'avoir des échéances fixes et des beaux projets toujours en me calquant toujours sur les programmes des concours. Et actuellement, oui, je prépare un concours aux États-Unis à Bloomington, qui est le concours, le grand concours pour la harpe, comme on pourrait parler du Reine Elisabeth au violon ou au chant ou au violoncelle. Il y a eu beaucoup de concours, notamment des nationaux et des internationaux en France, oui, notamment celui de Limoges, en Italie, Sony d'Arpa, notamment le concours aussi Godefroy qui se déroule en Belgique. J'ai essayé de varier assez fort mon programme pour montrer voilà, une palette assez large de ce que pouvait aussi montrer l'art, parce que ce n'est pas un instrument non plus qui est beaucoup... beaucoup joué, et donc oui, je vais commencer avec Tournier, qui est vraiment un compositeur pour la harpe, avec la Volière magique. Ensuite, je vais jouer du Satie, et alors le Liebestraum de Liszt. Je suis vraiment ravie et heureuse de pouvoir jouer ici dans cette magnifique salle, ce magnifique endroit.